du poète afghan Saïd Bahodine Mashrou, un an avant son assassinat en 1988. Aussi, les plus dangereux de tous les êtres sont-ils ceux qui décident d'améliorer ou de libérer les hommes et les sociétés en provoquant des révolutions. Le soufi, à sa manière, est un révolutionnaire, mais sa révolution est essentiellement intérieure. Elle est de nature spirituelle. Elle opère sur lui-même. Le soufi constate que quiconque n'a pas mené à leur terme des transformations authentiques et radicales au-dedans de soi et décrète cependant la transformation du monde alentour n'apporte qu'un surcroît de misère et de souffrance.
Qu'est-ce que j'aime les nuages? Thank you.
Salut François, écoute, c'est Arno. J'espère que ça va. Je voulais vraiment te remercier pour toutes ces belles vidéos, toutes ces belles choses qui sont passées entre nous. C'était vraiment super chouette. Il y a des moments dans ces semaines qui sont passées. Voilà. J'ai eu la résonance à l'intérieur de moi, ça a bien fonctionné. Je pense que ça va me manquer. Voilà. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite, du travail et du repos et tout ce qu'il y a de plus beau. Et j'espère te voir bientôt. Bisous. C'est une voix étrange que la tienne. Regarder le monde en silence et ce faisant, essayer de te donner du sens. Essayer de voir le beau parce que tu ne sais pas, tu ne sais plus ou tu n'as jamais su faire autrement. Essayer de voir le beau car le monde dans lequel tu vis te semble impénétrable, incompréhensible de bêtises et de mesquineries et que tu ne sais pas comment mener le combat pour la justice que tu aimerais voir advenir. Essayer de regarder le beau pour ne pas voir que chacun de tes actes, jusqu'à ta voix même, ne porte pas assez loin pour changer quoi que ce soit. Essayer de voir le beau au lieu de se décourager. Essayer de voir le beau plutôt que de perdre l'espoir. Alors oui, peut-être qu'il ne te reste que ça à faire. Regarder le monde en retrait et essayer de faire passer quelque chose à travers tes yeux. Essayer de ne pas perdre l'espoir et d'allumer une étincelle dans un cœur, quelque part. Ce n'est sans doute pas une mauvaise façon de vivre sa vie.